Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie. En nous reconnaissant pécheurs, humilions-nous devant le Seigneur, qui nous accorde pleinement sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Ô notre Dieu, charité infinie, vous qui aimez l'innocence et exaltez les hommes, veuillez nous accorder, à nous les serviteurs du cœur immaculé de Marie, qu'à l'imitation des bienheureux François et Jacinthe, et par leur intercession, nous vous servions dans la simplicité du cœur et l'ardeur de la charité, que nous vous aimions, vous chérissions, et que par nos sacrifices et nos prières, nous vous consolions afin de pouvoir entrer dès maintenant dans le cœur de Marie et avoir un jour notre demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel servait le Seigneur sous la conduite d'Élie. La parole du Seigneur était rare à cette époque et les visions peu fréquentes. Un certain jour, Élie dormait dans sa chambre, sa vue baissait et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel dormait dans le temple du Seigneur, là où se trouve l'arche de Dieu. Alors le Seigneur appela Samuel. Samuel répondit, « Me voici. » Puis il courut vers Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'appelles. » Mais celui-ci répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Va dormir. » Et Samuel se recoucha. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, courut vers Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'appelles. » Mais celui-ci répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon enfant. Va dormir. » Samuel ne reconnaissait pas le Seigneur, car la parole de Dieu ne lui avait pas encore été adressée. Pour la troisième fois, le Seigneur appela de nouveau Samuel. Celui-ci se leva, courut vers Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'appelles. » Élie comprit que le Seigneur appelait l'enfant et il dit à Samuel, « Va dormir et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel se retira dans sa chambre et se coucha. Parole du Seigneur. Ô très bon cœur, page 204. Ô très bon cœur, notre
Le Seigneur exalte les humbles. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La découverte de vos paroles illumine, elle donne du discernement aux simples. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il dit : En vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais quiconque se fait petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et qui reçoit en mon nom un enfant comme celui-là, c'est moi qui le reçois. Mais celui qui scandalise un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui suspende au cou une meule de moulin et qu'on le précipite en pleine mer. Malheur au monde pour les scandales, car il arrive forcément des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une cause de scandale, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux
qu'être jeté avec tes deux mains et tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une cause de scandale, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie qu'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fatima, c'est vraiment l'Évangile. L'Évangile nous suffit. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Que feras-tu dans la vie? Je veux être rien, mourir et aller au ciel. Pastorale révolutionnaire. Et la petite Jacinta, il me reste peu de temps pour aller au ciel, mais toi tu resteras là pour dire que Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. C'est à elle qu'il faut demander les grâces. Dieu veut nous donner ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie. Le cœur de Jésus veut que l'on vénère avec lui le cœur immaculé de Marie, que l'on demande les grâces au cœur immaculé de Marie, qu'on demande la paix au cœur immaculé de Marie, car c'est à elle que Dieu l'a confié. Ah, si je pouvais mettre dans tous les cœurs le feu que j'ai là dans la poitrine et qui me brûle et qui me fait tant aimer les cœurs de Jésus et de Marie. C'est la grâce que nous demanderons au cœur de Jésus et au cœur de Marie par l'intercession de leur petit chéri.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église. Amen. Humblement, nous te demandons, Seigneur, d'accepter l'hommage de nos prières et oblations pour que nous obtenions le pardon de nos fautes et la conversion des pécheurs. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
toi qui étais mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité. Viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio, l'ordinaire de ce lieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les sur toutes les âmes du purgatoire dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur la famille pour laquelle cette messe a été demandée aussi, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint François, Sainte Jacinthe et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu et nous osons reprendre avec beaucoup d'amour cette prière que nous avons reçue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir révélé au tout petit le mystère du royaume. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui nous aime. C'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Par ce divin sacrement que nous venons de recevoir, Seigneur, allume en nous l'amour admirable qui menant les bienheureux Francisco et Jacinta à se donner entièrement à toi et à se passionner pour le salut de tous les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.